Guingamp, Hardy espère même prendre l'avantage, toujours avec Marcus Thuram. Mais il tire directement sur Ruffier. Magnifique opportunité pour l'attaquant Guingampé. D'autant plus que les Alsaciens insistent. Un très joli mouvement collectif. Et la conclusion superbe de Kevin Zoe, entré sur le terrain à la mi-temps à la place d'Adrien Thomasson. Et pour empêcher le 2-0, nouvelle action strasbourgeoise avec un ballon complètement renversé. Et la frappe à angle fermé, pourquoi pas. Samba évite le but du 3-1 au bout du pied de Johnny. Dernière tentative. Ils mettent longtemps à entrer dans le match. C'est un petit peu mieux avec ce tir. Cinquième but inscrit à Geoffroy Guichard. Les Bretons vont réagir sous l'impulsion d'Atem Ben Arfa. En deuxième période, Reims va avoir quelques opportunités minces, mais celle-ci va être intéressante. Toujours 0-0 puisque Kazri a vu son but refusé. Nantes se procure ici une opportunité avec ce tir. En première période, c'était pas bon. En seconde, c'est un petit peu mieux. Avec notamment ce centre en retrait, énorme chance d'égalisation pour Adama Traoré venir. Leonardo Jardim reprend espoir. Son équipe arbore un meilleur visage. Qui va frôler son montant. Nouvelle opportunité énorme pour les hommes de Rudy Garcia avec ce service. Genesio repasse à une défense à 4 avec Nabil Fekir. Notamment avec Memphis Depay en pointe. C'est lui. Première occasion, la longue transversale de Mendy, le contrôle du Néerlandais est superbe et que dire de l'intervention de Stéphane Ruffier. Convertir la sanction en but, Gradel pour la réduction de l'écart, c'est sauvé par Stéphane Ruffier qui dévie le ballon sur un poteau. Ruffier empêche Toulouse de se relancer dans ce match. Très jolie détente du gardien de la SSE.